t'ai pas introduit au Quantum Curl. Un nouveau type de curl? Le Quantum Curl. Vas-y, ça m'intéresse, moi. On va commencer avec ça. Tout ce qui a le mot curl dedans, ça m'intéresse. Aujourd'hui, un workout avec le man et Arun. On vient de faire un podcast, parler de body supplément et tout. Et là, on fait un workout de guns. On fait bien du volume aujourd'hui. Une bonne phase d'accumulation, du superset. Puis on va vous expliquer ça. Donc, allons-y. Alright, premier exercice. On va faire du two row push down. Les deux cordes, ce que ça va permettre, c'est d'avoir une meilleure extension, plus de range of motion, qui te permet d'aligner le coude directement avec la tension qui est la poulie. Ce qu'on va faire, c'est que si tu as plus de tension volontaire, là, il va squeezer le plus fort qu'il peut, puis il va descendre. Fait que dans le fond, tu reviens. Avant de débuter, là, tu serres ton triceps le fort que tu peux, tu descends, tu penses d'aller porter ton coude vers ton épaule, comme si tu te cassais ton coude, ton track. Exact. Ça, pour un exercice, on va faire 3-4 séries. 8 à 10, on va commencer plus léger vraiment en activation. Puis après ça, on va monter à charge, aller un petit peu plus proche d'échec musculaire. Puis ça, ça va être notre exercice A. Deuxième exercice, ça va être notre exercice principal. Ce qu'on veut, c'est créer plus de stress mécanique, mettre de la surcharge au niveau du muscle, faire une line extension. On va faire 4 séries, 6 à 8. La dernière série, on va faire un rest pause. On va faire 6 à 8 répétitions, on va atteindre l'échec musculaire. On va prendre 10 à 15 secondes, on va faire max rep. Ensuite de ça, on va prolonger la série. On va finir avec du California press. Donc, on va descendre en excentrique, on va pousser dans un mouvement plus avantageux. Puis on va faire le maximum, puis après ça, on va faire le maximum de press close grip pour vraiment aller finir. Pour aller finir le plus possible, aller fatiguer le plus de fibres musculaires possible. Comme j'expliquais à Julien, c'est que les gros exercices principaux, t'es mieux tout le temps de garder une rep dans le tank. Donc d'aller pas totalement à l'échec musculaire à toutes les séries. Parce que ce qui va arriver, c'est que, par exemple, tu commences à 30 livres, en mettant la 8e, tu commences à avoir vraiment de la misère. Mais là, l'autre set d'après, tu seras pas de reprendre la même charge. Fait que ta charge, elle va baisser de série en série. Ce que ça va faire, c'est que tu vas aller taper moins dans les fibres rapides. Donc, moins intéressant pour l'objectif de cet exercice qui est d'aller recruter plus de fibres musculaires possible. Et après ça, les autres exercices, ça va être d'aller fatiguer. Donc, c'est important de comprendre l'objectif d'exercice que tu fais. Deux autres. Come on. Push it. Fight. Tu l'as. Easy. Come on. Hey. Yep. Good. Come on. Up. Come on. Lève ça. T'en as. Let's go, baby. Let's go. Ça va bien. Yeah. Rest. Un autre dans le même. Tiens-les. Ah oui, press. Ah oui, max press. Ah oui, press. Press avec les triceps, pas de chest. Press les triceps. That's it, max rep. Ah oui, 5, 4, 3, easy, 2, 1. Ah oui, 10 autres. Ah oui, come on. Come on, let's go. Ah oui. C'est le même. Tu crées quand même une extension, mais là tu descendais vraiment pour le chest. C'est sûr là tu peux continuer, mais si tu fais. Non, mais tu descends ton poignet, il est comme là, genre. Tu comprends? Ok.
Okay. Là, tu presses, mais tu utilises ton triceps. C'est ça la différence, hein? De même? C'est ça. Là, pense au coude. Débarre ton coude. Okay, c'est ouais. Ça. Fait dans le fond, c'est que quand il a continué, il pressait avec son chest, c'était bien facile, mais ce qu'on a fait, c'est juste mettre son poignet un petit peu plus par là. Puis là, quand il va pousser, c'est vraiment son triceps qui va embarquer. Fait que, encore là, quand tu fais un press prise neutre, tu peux le faire soit pour mettre l'emphase sur tes triceps ou sur le chest, là, dépendant. Encore là, c'est quoi l'objectif et comment tu veux le faire. Squeeze. Ça 10, 2 secondes. Parce que quand tu atteins l'échec, tu penches un peu vers l'avant. Tu vas aller se rechercher le milieu de la courbe de force. Ça, on lève. À fond. Ouais, j'ai fatigué ça, là. Faut que ça bouge. Ah ouais. That's it. Debout. Faut que je baisse en extension. Non. Même chose? De la même fois. Toi, tu vas aller à le chercher. C'est ça. Mets un pied devant l'autre, avance-toi un petit peu plus. Vas-y. Come on? Ouais. Entre tes coudes un petit peu plus, comment? Vas-y. Ouais, là, swing avec tes coudes en descendant. Ok. Ça va? Ouais, c'est ça. Swing. Ouais, explose, swing, puis explose. Come on! Ouais. Fight. Un autre de même. Fight. Va le barrer. Bats ton coude. That's it. Good job. C'est bon. Marchez. Après moi, tu lâches au top, je me distinguais là-bas. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un superset très métabolique pour les triceps. On va commencer un exercice, on va loader la partie la plus contractée. Donc, on se met à genoux comme ça, on enligne le coude directement avec la tension. On va barrer le coude. Le principe avec les deux ropes au début, si tu penses d'aller porter ton coude vers ton épaule, ça serre ça plus fort que tu peux. Quand tu atteins l'échec musculaire, la partie contractée, on va se pencher, puis là ce que ça va faire, c'est que ça va amener que la tension va être maximale dans le milieu du mouvement. On va aller fatiguer cette portion-là. Après ça, on va se lever, on va amener les coudes vers l'avant, et là, on va fatiguer une autre position de coude par rapport à l'épaule, et ça va fatiguer un petit peu plus dans la portion étirée du triceps. On va faire le maximum de reps. Puis, cet exercice-là, pourquoi qu'on est à genoux, là, c'est vraiment là, très scientifique. C'est à cause qu'après ça, on peut se relever pour faire l'autre tout de suite, on n'a pas besoin d'ajuster les câbles. Donc, ça peut être très bien fait debout. Comme vous avez sûrement déjà vu sur Instagram que je mets souvent. Ça peut être fait debout, puis après ça, t'ajustes, jusqu'à là, on peut les faire les deux en même temps. À genoux. Tu sais, c'est quoi la différence quand on le fait là à genoux comparé à quand on s'active au début? Je sais que là, on overload avec du poids, mais on travaille encore dans la partie à être contracté. Oui, on fait contracter milieu, puis après ça, plus étiré. Mais c'est juste parce que. Ouais, c'est que là, on fatigue toutes les portions, okay, ouais. Vraiment. Là, je t'ai pas introduit. Au Quantum Curl. Un nouveau type de curl? Le Quantum Curl. Vas-y, ça m'intéresse. Moi. On va commencer avec ça. Qu'est-ce que le mot curl dedans, ça m'intéresse. Ok, fait que le Quantum Curl, c'est ce que je suis supposé avoir vu ça quelque part sur Facebook? Non. Ok, c'est une première. Première story, man. De même. Curl. Activation? Ouais. Là, on tombe ses biceps, là, on va aller avec. Je l'ai appelé le Quantum Curl parce que, pas dire que je l'ai inventé, mais je l'ai jamais vu ailleurs. Donc, je l'ai intitulé le Quantum Curl and Curl. Donc, ce que ça fait, c'est que on va avoir le coude en ligne avec la poulie. Première affaire qu'on veut quand on travaille un muscle. Ensuite de ça, on va créer une flexion du coude en ayant une supination. On va recruter le biceps. Ensuite de ça, on va lever pour faire une flexion de l'épaule. Ce qui arrive, c'est que vu que le corps s'en va là, ça va mettre la tension jusqu'au top du mouvement. Donc, habituellement, quand tu arrives là, exemple, tu prends un dumbbell, tu fais ça. Rendu là, le poids est vraiment près de l'axe, il n'y a plus vraiment de tension. Tandis que cette variation-là, la tension juste au top. C'est pas un exercice qui peut être pesant, mais c'est un bon exercice
soit d'activation ou dans un superset, whatever. On va le faire activation un petit peu fatigue pour, avant d'aller faire notre exercice principal. Donc là, on a supination, flexion du coude, flexion d'épaule, toutes les fonctions que le biceps travaille. Et c'est ça, l'écritement maximal au niveau des biceps. Donc là, on va faire le gros exercice, ça va être du hammer curl alterné. On va faire 6 à 8. On va atteindre l'échec musculaire. Après ça, on va faire des cheat curls. Maximum, en cheat un petit peu. Des bro curls. Des bro curls. Puis après ça, on va faire le maximum de demi-reps en bas du mouvement. That's it. Non, pourquoi on commence avec le bras plus faible quand on attend? Parce que dans le fond, tu veux toujours te fier à ton reps que tu es capable de faire avec ta gauche. Donc, par exemple, si tu es capable de. Tu fais 8 puis là, tu as de la misère, tu vas pas continuer avec la droite. Reste à 8 aussi. Comprends. Sur le 3 débarrassement. Si tu te rends à 10, tu es comme que ça va bien. Lui, tu fais 8, ben, tu vas peut-être en retard. C'est fort. Dans le fond, pourquoi on va le faire alterner? Oui, tu as une petite pause qui va permettre de refaire un petit peu d'énergie, récupérer plus de fibres, blablabla. Mais aussi le fait. Que ce qu'on veut, c'est que le coude soit aligné avec le sol. T'sais. Quand tu travailles, tu fais toujours ton coude soit aligné avec la tension. Donc, en se penchant un petit peu, ça va te permettre d'aligner le coude. Donc, si, par exemple, moi je curl, mes coudes sont vers l'extérieur. Et j'ai moins de tension qui va être mise dans mon muscle, plus dans mon articulation. Donc, c'est pour ça qu'on va se pencher un côté à la fois pour vraiment aligner le coude direct avec le sol. Ouais, c'est ça. Come on. La rip, la rip. Ah, tu branch it, around. Branch it, branch it. Come on. All right, big. Let's go. On va chercher. On va chercher de la rep. Let's go. That's it. Go curl, go curl. Easy. That's it. That's it. Come on. T'en as 20 dans le tank. Qu'est-ce que c'est? Come on. Alright, let's go. Va chercher, va chercher. Deux autres. Come on. Come on. Ouais, ouais, ouais. One more. Come on. That's it. Ouais, le sous-titrage avec les deux jambes. Là. Come on. Ah ouais. Deux jambes? Ah ouais, non, avec les jambes. Ouais. Les bro, bro, ouais, let's go, that's it. Alright, listen, ça continue, ouais, come on. Come on, that's it. French. Yeah. Oh, French, it's a little bit. Our bro set, let's go, Jay. Easy work. C'est dans les mains là, pour être stable. Yes! Ah, là ça va. Il est bien gros! Ok, on tombe sur le superset plus métabolique pour les biceps. Donc, on va faire un prone 10 degrés dans le cœur. Ce que ça va faire, la tension est maximale à peu près dans le milieu ici. Mais ça va être une position un petit peu plus contractée. Donc pas totalement contractée comme le premier qu'on a fait. Mais on va loader quand même le top. On va atteindre l'échec musculaire. Après ça, on va changer d'exercice. On va aller avec les câbles. Les coudes vers le sol. Ce que ça va faire, c'est que par rapport aux câbles, la tension va être maximum vraiment dans le bas du mouvement. Il n'y a pas beaucoup d'exercices qui maximisent la tension là. On sait aussi qu'avec les études nous ont prouvé en fait que plus tu étires un muscle quand il y a une pompe musculaire dedans, plus tu vas avoir de dommages musculaires, plus tu vas avoir de prolifération de cellules satellites, puis ça va être bon pour l'hypertrophie. Donc, c'est vraiment intéressant de finir avec un mouvement qui va mettre le coude d'une position étirée comme ça, donc le biceps d'une position étirée, mais qui va maximiser aussi la charge dans le bas du mouvement. Donc, dernier superset, on va faire 8 à 10, 10 à 12, puis that's it. Alright, workout fini. Merci d'avoir écouté le vlog. J'espère que vous allez essayer ça, vous avez une grosse pompe. Jules, la pompe. C'est bon, ouais, sérieux, je te demande pas. Ça vaut la peine. Si vous voyez ton offre là, de première consultation à la ville. Ouais, les séances. Ouais, dans le prenez-la, fond, prenez-la. J'ai une séance dis. D'entraînement, c'est vrai. 70% de rabais pour une séance pour venir essayer mon service, tout ça. Dans le fond, ça coûte 25$ pour venir essayer ça au lieu du tarif normal. Puis vous allez avoir un workout avec l'équipe Quantum. Donc si
vous n'avez pas vu l'annonce passer, écrivez-moi sur ma page. Tout à fait, ça vaut le coup. Moi, dans toutes mes années de training, celle où j'ai commencé à m'entraîner avec Jake, c'est là où j'ai commencé à avoir des vrais résultats rapides. Fait que, c'est nice, finalement. Alright, on se parle dans un prochain vlog. Bonne semaine.